Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Il y a cela quelques jours, il y a une jeune dame qui m'a interpellé, qu'elle avait été chassée par son mari et qu'elle t'a abandonné avec ses enfants. Et elle pleurait. Donc, elle était vraiment toute en larmes. Et elle avait posé certains problèmes. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle n'arrive pas à manger, mais qu'elle veut juste la prière, que Dieu la bénisse. Et donc j'ai décidé de lui faire une surprise. Hier, nous sommes d'abord arrivés, on a cherché sa maison, on n'a pas pu la voir. Et nous espérons aujourd'hui que nous la trouverons. Voilà. Donc je lui fais une surprise, elle ne sait pas, elle ne s'attend pas à ce que je sois là. Donc nous allons voir ensemble ce qui va se passer. Et croisons le doigt tout en espérant qu'elle soit chez elle. Ok, on y va. Espérons qu'elle soit. Sœur Clarisse. Non, Lève-toi. Assois-toi, papa. Okay. Je sens l'eau au marché hier. Okay. L'argent que vous m'avez donné, j'ai pris un peu d'arachide, le riz, tout ce qu'on n'avait pas, papa. Oui. Mais la Sainte Clarisse m'a dit que vous êtes venu me chercher. Oui. J'étais même dépassée. Mmh. J'étais même dépassée, papa. La Sainte, c'est comme on prie au micro. Mmh. Elle a commencé, je suis un peu compliquée, même. Les voisines, c'est tout le monde m'a dit, il y a un homme qui est venu te chercher avec la voiture blanche. Mm-hmm. Si on a vu notre numéro, on t'appelait. Mm-hmm. Je suis un peu quelqu'un de... On m'a rejeté. Oui. Et je me suis renfermée dans ma coquille. Mm-hmm. Si vous me comprenez. Oui, je comprends. Mais je ne sais pas avec celle-ci. Quand je passais comme ça, je pars à l'église. Un salut. Mm-hmm. Un jour. Cela fait peut-être ces deux semaines. J'avais très mal, comme il y a un serpent là qui me dérange. Mm-hmm. Mm-hmm. On a déjà prié sur ça, fatigué papa. Et j'étais en règle, je n'avais même pas 5 francs, même manger. Mm-hmm. Même le jour même que je suis venue là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu 2 enfants, un garçon et une fille, quand le jour là, ce sont mes enfants. Ils sont venus, m'ont dit que maman, papa Rima est là-bas. J'ai dit que non, je pars à sa rencontre. Mm-hmm. S'il peut élever une prière, parce que moi, je l'avais déjà vu que tu pries où ma soeur. Si je peux même aussi aller là-bas. Parce que la paix, c'est comme si ça va me tuer. Mm-hmm. Mes enfants sont petits, papa. Mm-hmm. Je te dis, ma délivrance est un peu. Mm-hmm. Je te dis, d'accord. Rien ne marche, papa. On va... Je suis venu, je vais prier avec toi déjà. D'accord. Et je voulais voir où tu es. D'accord, papa. Oui, je voulais voir. C'est ici. Et quand tu m'as parlé l'autre jour, ça m'a beaucoup marqué. Et... J'ai eu à cœur de te rendre visite. Amen. Tu comprends? Amen. Donc, il faut comprendre que c'est juste une étape. Amen. Dans la vie. Tu m'as dit que tu faisais les affaires avant. Oui. Tu voyageais même. Je voyageais même. Oui. Je voyageais même. Je faisais mon prix même. Mm-hmm. La dernière vidéo où j'étais, j'ai tout perdu. Mm-hmm. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas eu tort de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. Quand j'avais perdu certaines de mes photos, il y a une vidéo, vous allez voir. La
histoire. Excusez-moi si je... Pas approcher la caméra, pardon. Pour que le son puisse bien sortir. Ça, c'est une dernière vidéo, mais comme elle est en train là. Ça, c'est, vous allez ça, voir, c'est, je suis dans la vie. C'est moi. C'est passé, il n'est quoi? Rien. Oui, c'est passé, je suis devenu comme ça. Je vais monter ça là. C'est moi. C'est pas possible. C'est moi. C'est moi qui suis devenu comme ça, c'est papa. C'est pas possible. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Waouh. Vous allez me voir dans l'avion là. Quand je prenais les séquences là où le temps me là, là oui. Vous allez voir. D'accord. La vidéo est un peu longue. D'accord. Je vais prier avec toi. Amen. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Amen. Pour la restauration. Amen. Que ta main forte et puissante et agissante se manifeste dans la vie de ta servante. Amen. Père, ce démon qui l'a ramené en bas, je le chasse de sa vie et de sa destinée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'elle est délivrée. Amen. Je déclare que 2023 est l'année de son relèvement. Je reçois au nom souverain de Jésus. Amen. Ta parole dit « Oh, décomé non prophète, eis onoma prophète, miston prophète de m'setaï. » Celui qui reçoit un prophète parce qu'il croit qu'il est prophète n'aura pas l'héritage de ce prophète. Amen. Tu as dit que lorsque vous entrez dans une maison, dis-lui shalom, et votre père demeurera avec cette maison. Amen. Cette femme, sa destinée vient d'être relevée aujourd'hui. Amen. Le voile qui cachait sa vie est déchiré aujourd'hui. Amen. Elle se relève financièrement. Amen. Elle se relève spirituellement. Amen. Elle se relève sur le plan sentimental. Amen. Sa vie qui était devenue une ruine est rebâti. Amen. Et je déclare comme prophète du Dieu vivant que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première Amen. Maison. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Satan, que le Seigneur te réprime dans cette vie. Amen. Prends tes choses et va-t'en. Amen. Je déclare que tu n'as plus de part dans la vie de cette femme. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Toi, démon d'échec, je pars. Prends tes choses et pars. Amen. Sors dans le nom souverain de Jésus. Amen. Tout ce que tu lui as volé, tu rends cela. Tu rends cela dans le nom précieux souverain de Jésus. Amen. Père, merci parce qu'elle est restaurée. Amen. Elle est délivrée. Amen. Elle est bénie. Amen. Et reprend ses affaires. Amen. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Amen. 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 Ok. Wow. Ça, c'est la vie. La vie, c'est... C'est ça la vie. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour elle. Amen. C'est un nouveau commencement. Amen. Avant, tu faisais dans quoi? Je suis une esthéticienne professionnelle. Oui. Ah, oui. Quelques produits là-bas, si vous voyez, peut-être je mets sur la face comme ça. Vous me voyez, vous n'allez pas me reconnaître. Okay. Oui. C'est ce que je faisais. Et d'accord. Il était venu, il a tout cassé. Il a dit que c'est son argent qui avait ouvert tout ça. Mm-hmm. J'ai tout perdu, papa. Non. Je me suis retrouvée avec les enfants comme ça. Et les enfants, vous habitez chez François? Oui, on se couche comme ça. Vous êtes combien? Nous sommes quatre, trois enfants et moi-même quatre. Okay. Donc, on se couche comme ça. On met souvent la bille pour que les pieds ne traînent pas le sol. On étale la bille comme ça. Ok. Et tu prépares sur quoi? Je prépare ici. On prend le charbon. Non, non, ça va. Il y a, ok, tu as la plaque à gaz, il y a oui, le gaz. Oui, papa. Ok, d'accord. Oui. Donc là, il te faudra le lit. Amen. Le lit, il y a les lits qu'on vend ici à Chouvemba Santa Lucia, là. Mm-hmm. Il y a les lits qu'on expose là. Tu vas l'accompagner. Avec 25 000, on peut avoir un petit joli lit. Et le matelas, ça peut coûter combien? Le matelas, je pense que là-bas, 20 millions, on peut avoir le matelas. Mais... Je crois bien, papa. Oui. Ou bien? Je crois bien. Parce que, oui, on peut avoir. Ça, là, ça coûte combien le matelas? Ça, c'était 30 000, ça a baissé. Ah, okay. Et moi, on va même jeter ça parce que toutes ces choses comme ça, j'ai essayé de me débarrasser. C'est là où j'avais déjà un peu de paix. Mm-hmm. Mm-hmm. Papa,
dit que quand elle toucha l'argent qu'il envoyait, exactement. Mourait, et les enfants avaient des bobos, c'est-à-dire oui, le sang, sang sort des nez. Quand il envoie l'argent pour les enfants, c'est-à-dire que le papa, il envoie régulièrement. Oui, pour les enfants. Les enfants. Mm-hmm. Vous étiez marié également? Non. D'accord, ce que nous allons faire récréer. Mais il avait, il était parti verser la dot. Ah, s'il a douté, c'est que c'était votre mari. Le mariage, c'est la dot d'abord en fait. Mm-hmm. Ce que nous allons faire, c'est que tu vas d'abord acheter le lit. D'accord, papa. Tu achètes ton matelas. D'accord, papa. Tu achètes des draps. D'accord, papa. Hmm? D'accord. Tu mets l'eau dans ta maison. D'accord. Maintenant, tu achètes aussi les rideaux. D'accord, et papa. Tu penses à ce que tu peux faire. D'accord, papa. Comme affaire. Comme business. D'accord, papa. Et tu vas me dire, tu vas lui dire, elle va me tenir informé. D'accord, papa. Le plus tôt possible. D'accord. Et la prochaine fois, je vais revenir. D'accord, papa. On va voir ton lit installé avec le matelas. D'accord, papa. Là, maintenant, tu vas me dire ce que tu peux faire. Parce qu'il faut que tu sois indépendant financièrement. Vérité, c'est papa. Les affaires. Vérité, papa. Voilà. Donc, tu réfléchis dans l'esthétique. Il faut ouvrir même que je la sois là. Oui, petit, tout l'esthétique. Je ne sais pas, au commencement d'avoir des vies. Mais tu regardes et tu vas lui dire. Amen. Combien de fois environ? Amen. Ok? Amen. Nous allons parler, nous reviendrons. Amen. On va revenir pour ça. Amen. Là, je vais te laisser d'abord l'argent pour le lit. D'accord. Pour le lit, les bagages, tout ça. Donc il faut refaire ta chambre, mais l'autre. Dès que c'est bon, tu le dis, d'accord. Tu fais ton calcul et je vais refiner. D'accord, papa. Et nous allons, je vais t'aider à relancer pour prendre soin de tes enfants. D'accord, papa. D'accord, papa, je voulais aussi lever une prière pour vous, je ne suis d'accord. Rien. D'accord. On va. Seigneur, au nom de Jésus, amen. Je prie pour cet homme de Dieu. Amen. Seigneur, je suis dans mes moments de difficulté où tout le monde m'a abandonné, ma famille, mes amis, tous m'ont rejeté parce que j'étais suivie. Mm. Papa, il est venu me secourir, mes enfants et moi. Seigneur amen. Jésus, je ne connais pas ce qu'il lui faut dans sa vie. Mm. Accorde-lui cela au sanctuaire, au nom de Jésus. Amen. Protège sa progéniture amen. Et loin de sa vie le danger. Amen. Que tous ceux qui veulent le voir tomber, que c'est eux-mêmes qui tombent au nom amen. De Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi-même qui le fais. Amen. Je déclare que j'ai ainsi prié au nom tout-puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois amen. Forte. Amen. Bien. Merci. Bien. Ça va? Merci. Beaucoup de courage. Merci. Ok. Merci. Donc, j'attends de tes nouvelles. Merci. Mm-hmm. D'accord. Je voulais te saluer. Bon, comme elle finit d'abord, on va. D'accord. Mm-hmm. Ok. Ok. C'est ça. Bon. Oh, ça va. Donc, voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. Et. Nous pensons que nous reviendrons rendre visite à notre sœur lorsqu'elle aura un peu aménagé sa maison. Que Dieu amen. Vous bénisse. Shalom. Amen. Amen.